Bonjour tout le monde, ici Kefren. Aujourd'hui, grâce à Upper Deck, j'ai 12 paquets à ouvrir de la série 21-22, la série 2 de Young Gun. Donc, c'est une boîte aux billes, en gros. La première partie, je l'ai faite en anglais sur mon autre chaîne. Donc, ceux qui sont bilingues, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne. Je vais mettre le lien dans la description de mon vidéo. Et pour les 12 autres paquets, on va y aller en français. On espère avoir une belle petite Cole Caulfield. Donc, ça part. Premier paquet. On commence ça avec Anthony Duclair. Let's go. Un Québécois. Zach Aston. Vous allez voir, sont un petit peu collantes les cartes des fois. Donc, j'ai de la misère à juste montrer la première. Mike Smith. Arturi Liikanen. Young Gun. Jacob Bernard Docker. Let's go. Ça part bien, premier paquet. Quinn Hughes. Connor Brown et John. On l'appelle juste John. Parce qu'on le connaît pas, John. Deuxième paquet, boys. Braden McNabb. Oh, je vais me mettre centré à la carte. Ryan Hartman. Wow, on leak. Alexander Barkov. Une Dazzler. Andriy Vasilevskiy. Oh, ça, c'est une très belle carte. Pour les valeurs, je vais le mettre dans l'editing une fois que je vais avoir terminé la vidéo parce que je les connais vraiment pas par cœur. Continuez ici. On a une belle Aaron Ekblad. Troisième paquet. On va peut-être tasser ça un peu. C'est pour pas fucker le focus de la caméra. Donc voilà. Kevin, parfait. Je vais juste être sûr que le focus était bon. Troisième. Oh, ici on a une Anton Lundell Superstar. Andy Kopitar, my boy. Gros joueur. Jake Gardiner. Il a été repêché la même année que Carey Price, si je me rappelle bien. Quatrième pick overall ou sixième? Je me rappelle pas s'il était... Non, il était pick après Carey Price parce que je me rappelle les gens chialaient qu'on avait pas, on l'avait pas pris. Christopher Tanev. Matthew Parzal. Les cartes qui collent encore. Nathan MacKinnon. Le GOAT. Marque recrue de renom, Mike Hardman. Carey Price. Let's go. Ça, c'est pour Old Dominator. Hein. Juste pour lui. Et voilà, je pense qu'on va l'encadrer puis j'y envoie par la poste. On continue. On ouvre. Prochain paquet. Stephen Stamkos. Hey, vraiment, les cartes, ils sont collantes. Samsonov. Dawson Mercer. Bon avenir ce joueur-là. Anthony Beauvillier, Eric Carlson et Sam Gagné. On passe au prochain. Prochain pack. J'espère d'avoir une petite carte connue à quelque part. Donc, Marco Scandella. Jonas Brodin, Logan Couture. Young Gun, Philippe Tomasino. Belle petite Young Gun ici. Robin Lehner comme gardien de but. Kirby Dack qui est rendu by the way avec le Canadien. Et Brady. Prochain paquet. Alex Pietrangelo. Phil Kessel. Tyson Barry. On a Benoît-Olivier Groulx en recrue de renom. Ryan Nugent-Hopkins. Jonathan Drouin. Ryan Lindgren, Colton. On a encore quelques paquets à date, rien de trop exceptionnel. Austin Matthews. Il y avait deux cartes, désolé. Elle est collée complètement, il y a comme du statique. On a ici une Cam Fowler en UD Canva. Jonathan Larson et Matt Nito. Prochain paquet. On va-tu avoir une deuxième Carey Price? Quel fun, juste des Carey Price. Mathieu Joseph. Jonathan Taze. On a Dawson Mercer en portrait. Excellent. Mikael Granlund. Rien de spécial à part de ça.
Donc, il nous reste 3 paquets, tout le monde. Ça s'achève. Oups, là, je vais l'échapper à terre. Ça sera pas long. Il est de retour. Il est ramassé. Donc. Ryan Strome. Bobby Fabry. Ryan McDonough. Il aurait failli jouer avec le Canadien. On a une Young Gun, Justin Richards. Une belle Young Gun ici. Ivan Provorov. Olivier Wallstrom. 2 paquets, tout le monde. Est-ce qu'on va y arriver? Je l'espère. On veut une grosse carte. Donc, Tom Wilson. Pas mon préféré, celui-là. Piqué Subban, qui est maintenant à la retraite. Suivant, on a Ivan Prosvetov, recrue de renom. Sean Couturier. Dimitri Orlov. Dernier paquet de Young Guns. Ben, de Young Guns, de Série 2 Hobby. On écrit Young Guns dessus, mais... Matt Murray avec Ottawa. On a Joe Pavelski. On a Jonathan Quick ici. Très bon gardien, by the way. Oh, on a une Young Gun UD Canvas Joe Veleno avec les Red Wings. On a une Max Pacioretty. Et ça fait pas mal, je vous dirais, le tour. On termine avec une Mark Stahl avec les Red Wings. Donc, on va faire un petit recap des cartes qu'on a eues. On commence ici, ceux-là aussi. Ouais. Donc, Ivan Prospedov. On a un Dawson Mercer comme ça. On a une UD Canvas Cam Fowler. Benoît Olivier Groux ici. On a Dawson Mercer. Mike Hardman. La Dazzler, Andrei Vasilevski. Comme je vous dis, je connais pas nécessairement les valeurs, mais de ce que je vois, il n'y a pas une carte, je pense pas, qui est comme un gros pick. Là. Donc, on a Joe Veleno en Young Gun comme ça. Un autre Young Gun, on a Justin Richards. On a Philippe Tomasino. Et finalement, on a Jacob Bernard Docker, comme vous pouvez voir ici. Donc, ça fait pas mal le tour des Upper Deck. Si vous avez acheté des Upper Deck de cette série ou la série d'avant, juste me dire qu'est-ce que vous avez eu. Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous avez un gros pick? N'hésitez pas à nous partager qu'est-ce que vous avez pigé finalement dans vos cartes. Comme je vous dis, j'ai une vidéo aussi en anglais. Donc, vous allez voir finalement qui était la première partie de ma boîte, les 12 premiers paquets. Si ça vous intéresse, ça va dans la description du vidéo. C'est tout pour moi. N'oubliez pas de vous inscrire à la chaîne, tout le monde. Peace!